Et après mon stage chez Slate, j'ai Alors effectivement, je consomme habituellement les podcasts de replay, c'est-à-dire des podcasts qui proviennent d'émissions radio. Après mon stage chez Slate, j'ai écouté de plus en plus de podcasts natifs, comme par exemple Le Monde Devant Soi ou New Deal. Tout au long de mon stage, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Jean-Marie Colombani, directeur du Monde pendant 13 ans. Il intervient pour Slate, pour le podcast Le Monde Devant Soi. J'ai pu travailler pour lui, par exemple, sur l'écriture de son podcast. Être stagiaire en post-production chez Slate demande beaucoup de minutie, que ce soit dans le montage, quand on reçoit les fichiers audio, dans le dérush, quand on reçoit les timecodes, faire les cuts, faire l'assemblage ou encore rajouter les différents éléments audio musicaux.